c'est parti, on va tous les défoncer. Ah 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 ah. Ah là 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 là. Allez, on va reprendre un dernier sauvegarde. Je sais même plus où j'étais, je sais même plus où j'en étais. Je sais même plus comment je m'appelle, enfin... Ouais, mais je pense qu'on va se marrer. Clairement, on va se marrer. Le voici, mon petit barbare assassin. Allez, allez, c'est parti. Ah oui, j'avais foutu le boxon à Rivebois et du coup, ça leur a peut-être pas plu. Oui. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Ça. Attendez, je reviens dans un petit instant. Un petit quelque chose à faire. Voilà. Oh. J'arrive. Ok, donc on va revenir sur le classique mode de jeu. Voilà. Hop. La petite manette.
qui va bien. Ne regarde pas comme ça, tu vas avoir des problèmes. Les gardes de Blancherive peuvent tuer un dragon, nous aussi. Ouais, un peu moins. Alors. Ah, mon vol. Avez-vous vu un chien sur la route? J'ai demandé au gars si vous acceptiez de me le rapporter. Je vous donnerai de la viande fraîche pour le... C'est un signe d'intelligence de demander un paiement d'avance. Prenez cet à-compte. Vous aurez le reste quand vous ramènerez mon chien. D'accord. Voilà la viande. Donne-moi la viande. L'acier, c'est bien. Mais la loyauté, c'est encore mieux. La mienne... Alors, qu'est-ce que t'as, voilà. Oh, dis-moi. Voilà. Là, c'est une armure un peu mieux. Alors, forge. Le Ralphic. On va me faire une dague. Dague elfique. On va déjà en acier. Ça plus tard. On verra ça plus tard. Alors, ok. Là, vous m'entendez un peu mieux. Ok. Donc, voilà. Deux doigts de passer niveau 40. Alors. Il faut être bien courageux pour s'aventurer sur les routes de nos jours. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Bah les deux. Tiens, je vais devant ça. Ça, ça me sert pas. Ça me sert pas. À moins que je les enchante. Ouais. M'intéresse pas. Ensuite, en arme, 16, un arc qui ne sert à rien. Bonjour à toi, Cobrator. Alors, dague de fer. Tac, tac, tac. Tellement de choses. Oh, bah tranquillement, tranquillement. Hein. Je profite de la version anniversaire pour faire un petit point. Regardez un petit peu comment ça se passe et tout. Et là, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, je suis pas déçu. Et puis surtout, toi, est-ce que ça va? Ça, par contre, j'y pensais plus, mais... Voilà. Aïe aïe. Et là-haut. Bah, c'était prévu, hein. Bon, j'en ai déjà tué quelques-uns, mais. on va négocier. On va négocier. Mais où est-ce qu'il est prêt à négocier? Faut que je rende mes quêtes, hein, du coup. Ah.
Là. Allez, me rentrer s'il vous plaît. J'ai débloqué ma petite arme. Petite arme qui a été débloquée à Fayez, enfin qui fait partie de la version anniversary. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Chrome, elle s'appelle. De jour, inflige 7 points de dégâts de feu. De nuit, inflige 7 points de dégâts de glace. Vraiment, c'est une. C'est pas mal. Bon, la finition est pas super, mais pas mal. À voir. Assiette, assiette, assiette. Non. On va pas prendre ça. Aucun crâne. On va pas refaire la Bob Dylan, hein, quand même. La vérité, la merde, on s'en fout. La gemme. Le feu. Bon, allez. Et leur dire bonjour à tous. Ah! Suivons sa voix, sa Mon petit volonté. Cicéron. Oseriez-vous lui désobéir? Continuez à Ah, mais parler il est comme quand un même homme. petit! Un qui saura parler. Oh, qu'il en soit. Le gnome. Type arrive d'un long voyage. Je pourrais Bon, au moins te Astrid. parler de toi. Maître Cicéron, je suis enchanté de votre arrivée ainsi que celle de la mère de la nuit. Escu. Votre présence ici augure d'un retour plus que bienvenu aux traditions d'antan. Oh, que vous êtes plein de raison et de gentillesse. Je suis sûr que vous allez plaire à Notre-Dame. La mère de la nuit et vous êtes les bienvenus ici, Cicéron. Oh là Vous là. recevrez Arrêtez de parler! Eh! Le Avez-vous jeu, c'est moi qui joue un avec! époux? Oh, oui! Merci, merci, merci. Mais ne vous méprisez pas. Non. Je suis le chef de ce sanctuaire. C'est moi qui fais la loi. Oh, c'est toi qui fais la loi? Suis-je bien clair? Bravo, Ah, dommage. parfait. C'est vous le patron. Ah, vous voilà. Oui. Bien. De toute façon, je n'avais plus rien à dire à ce fou qui marmonne dans Dites-moi, sa ma barbe. sœur, y a-t-il Nous une devons trêve dans parler ces histoires? affaires. La mission du temps? Oui, tout Ma à foi, fait. je n'irai Vous certainement devez pas vous que rendre j'étais à la ville de impliqué. Markarth et parler à l'assistante de l'apothicaire. Dire Vous la trouverez sûrement au maintenant, remède je de ne la suis que vieille, l'humble quand la instrument boutique de est Titis. ouverte. Votre père Ah a-t-il bien dit bah. à qui voulait l'entendre On qu'elle est bien s'appelle d'accord que Cicéron? Cicéron, Apparemment, elle a réalisé le sacrement. je le tue à chaque fois. La nuit rit. Disons Vous riez. qu'à un moment ou un autre, en fait, à chaque fois que je relance une Ainsi, partie, vous il devez finit en l'empêcher. cendres. C'est dommage. Autre chose. Pliez-vous aux exigences de ce contact. Faites preuve de Je professionnalisme. suis pas assez professionnel pour toi là? Présentez-vous fièrement. Dans cette position? Faites votre travail. Puisqu'il s'agit de votre. Oh, Ah, voilà, allez. Un autre De toute façon, je n'avais plus rien à membre de dire la à ce fou qui a rendu son Oui, service. oui, oui. Nous devons parler à faire. Écoute-moi bien, Vous devez Cicéron. parler à Nuiri. Je dois Ça m'occuper va de bien la se mère de la passer. nuit et de son Il ne petit. sentira rien. Il ne sentira rien, je t'ai dit. Oh, mais vous allez. Vous pouvez pas le saquer, vous allez. Oh, arrêtez vos conneries. Ah, j'ai peut-être un peu abusé. J'ai peut-être un peu abusé. Oh, joli mammouth. Bref. Non. Allez. L'utilité de la sauvegarde rapide, te défouler juste avant. Alors, faut que j'aille voir Nazir. Nazir, il est où Nazir? Déjà que je fasse ça, qu'est-ce que j'ai à désenchanter là-dedans? Robe d'allitération. Ok. Bon, bienvenue. Bienvenue? Ah! Toujours en train de bouffer, toi. Comment vous empestez la mort? Je vous. Bien. Allez. Voici votre paiement pour cet excellent travail. Voilà, donne l'argent. Pas étonnant. Putain, je suis quelqu'un, t'as 400 que dollars. concurrence déteste à... Quoi? Je pourrais continuer toute la Allez. journée. Bref, voici votre paiement. Donne-moi tout ton fric. Félicitations. Voici votre paiement. Tu apparais. T'en as d'autres? Non, je m'excuse.
Revenez me voir plus tard. Attends. Il a rien sur lui. Qu'est-ce que tu fous avec un bol ? Ne serons-nous tous pas frappés par la mort ? Le gras, il est blindé. Je suis donc fier. Ouais, il est blindé, hein. Il te sort 1 600 $ de son cul. Mais... Il s'est honte à quoi sur toi ? Oh. Moi, moi, moi. Voilà, toi. Toi. Parce que la discrétion... Ah! Ça lui a pas plu. Avec 38%, par contre, ça va être un peu plus chaud. C'est pas un truc qui augmente... Voilà, la tire un peu, juste un peu. Voilà. Ah. Oui, si c'est en tête de turc, hein. Il a 500 $ sur lui. Voilà. De la nuit. Ah, décidément. Bon. Non, il veut pas. 38%, c'est un peu chaud quand même. Pas une tenue qui améliorait de 90 milliards de pourcents. C'est plus intéressant, non. Sorte d'allitération, non. Magie, non. Page, non. 15 milliards, non. Ah, ça, c'est la toute nouveauté. La toute nouveauté de sac à dos d'aventurier. Pouvoir. Oh, oh, ça c'est bon, ça. J'aime bien. Je fouille dans sa poche sans pression et je m'en trouve avec 500 $. Ça, on va prendre ça. Ce sera à revendre. Je vais me faire comme un mal. Ouais, ça plus tard. Après que je retrouve une Lydia là. Calme-toi, Godzilla, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Je fais partie de la confrérie noire depuis le jour de mon école. Vous avez des questions ? Ouais. Faites en fait, je vais laisser les armes là parce que bah, c'est de la merde. Et le coffre caché de Blanche Rive. Ah oui, oui. Ouais, je le connais. Mais bon, après, je joue. On va dire de manière classique, de manière tranquille. Moi, ce que je cherche surtout, c'est les petits points là qu'ils ont améliorés avec la version anniversary. Ouais, calme-toi. Peut-être elle me parle avec un... Il faudrait que c'est Mia Khalifa qui est en train de me parler. Oui. Je vais vous proposer un assassinat que vous ne pourrez pas refuser. Et puis après, voilà quoi. Alors... Peut-elle m'a proposé de tuer qui du coup ? Viser l'ordre des adeptes, retrouver qui c'est qui s'est emparé, assister au banquier. Ah, ça, j'aimerais bien. Et donc, on va déjà tuer l'autre là. Marcars ! Oh putain, c'est loin. Taper tout ça à pied ! Ah non. J'avais ça pourrait être intéressant. Ah oui. Ah oui, 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 oui. J'ai été convié à un banquet. Je me demande si c'est pas intéressant. Dans une grotte comme ça en plein milieu. Grotte de sang glacial. Ah, merci d'avoir follow, hein. Merci Cobra Raptor, ça fait vraiment plaisir. Bah écoutez, bon après-midi à toi aussi et bon stream. Enfin, si tu veux voir la suite, n'hésitez pas, ce sera sur ma chaîne. Voilà. Alors.
Je sais pas pourquoi, mais ça sent un banquet comme ça. Gens t'invitent à un banquet, normalement, connais les gens. Moi, je viens de débarquer, donc. Pareil, étrange. Pareil, vraiment étrange. Ça a l'air d'être un piège. Je suis même quasi sûr que c'est un piège. C'est un piège de contre-piège, je sais pas. Juste un détail. Voilà. J'ai perdu la manette. C'est là. Ça a l'air d'être de l'autre côté de cette montagne encore. Alors, qu'est-ce que ça va être? Pourquoi ça sent le piège? Botte de sang glacial. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas pourquoi ça sent vraiment le piège là. Ça sent l'arnaque. Wow. Je ne vous le fais pas dire. Il semblerait bien. Bon voyage. Oui, je ne vous le fais pas dire. Bien entendu. Ça sent le piège. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir à boire ici? Très bien. Ouais, c'est comme ça. Ouais, ça sent vraiment le piège. Je peux vous aider? Parlez. Très bien. Ils ont préenregistré deux réponses, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok.
Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça sent la bite. Déverrouiller nécessite une clé. Nécessite une clé. Ça, c'est des vampires. Je peux vous aider ? Bien entendu. Menu du dîner, qu'est-ce qu'il me propose ? Poisson, bâton de vin alto, soufflé de couchant, la célèbre recette du gourmet revisité, venaison de viande rouge à la sauce tomate, cuisseau de chèvre grillé au bouillon de moelle, tarte aux pommes, petit pain, tarte aux gigoises, bon, la crème. Ça m'a l'air d'être un piège, clairement. Sauf qu'ils ne savent pas qu'ils ont invité le Tobakin. Oh, ça pue, ça pue, ça pue. Il y a des vampires de partout, à mon avis. Parangon et Maune, Bocan à Luciole. Ça, ça va me servir de baraque, je pense, si ça continue. Un râtelier, une gargouille. Bac d'armes et tout. Ça peut limite me servir de baraque ici. Ok. Je me fais inviter par des vampires là, je pense. Alors, si vous lisez ces signes, Céline, c'est que je ne suis plus de ce monde, c'est donc à votre imagination qu'il vient de entendre prononcer ce discours. Commençons par les affaires. N'ayant pas d'héritier vivant, j'ai décidé de vous transmettre ce manoir à la condition que vous veniez à bout de ce dernier repas. Comme vous savez, j'ai toujours adoré ces grands dîners pour mon dernier banquet, j'ai donc décidé d'inviter quelques amis. Vérine, toi et moi, nous avons été longtemps partenaires en affaires, mais tu as triqué et compte pour augmenter ta part, ne crois pas que je n'avais pas remarqué. Marina, tu as été mon premier ami, on est ma première erreur. Ton amour, on appartenait plus qu'à moi, je n'ai jamais oublié. Ygri, tu étais ma pupille, et par certains aspects, se considérait comme ma fille, mais une fille ne complote pas pour voler l'héritage de son père. Je t'apprendrai donc ta leçon comme un père le ferait. Leyatine, nous avons combattu ensemble pendant la guerre, et les liens qui nous unissent sont quasi sacrés. Mais je sais les horreurs auxquelles tu as baissé pour les survivre. Si j'ai choisi de les ignorer à l'époque, je ne peux plus aujourd'hui. Galtius, mon ami impérial, qui buvait du vin avec moi dans l'ignium. Je suis bon d'insulter ma famille, j'ai dit que je te pardonnais car tu étais ivre. Vous, enfin, vous êtes Scipio. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je vous ai fait venir sur un coup de tête. Vous êtes l'inconnu de cette équation. Une chance pour mes amis d'altérer leur destinée ou au contraire de vous repaître. De même, ce qui m'attend de l'autre là n'a rien de plus. Tout ceci étant dit, les boissons sont servies. C'est bien ce qui me semblait. C'était un piège. C'est là que toute la bouffe que j'ai volée va être utile. Là, ça va être un peu plus chaud. Par contre, la gargouille. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah! Je peux vous aider? Tu peux pas m'aider, mon petit.
Ouais, ce manoir peut être intéressant par contre à récupérer, mais... Je peux vous aider? Bien entendu. Alors, bon, sauvegarder cette fois-là. Je vais m'asseoir. On va pas le relire. Prépare. Tiens, 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 quelle surprise! En fait, je viens de me rendre compte qu'il y en a deux. Faudra que j'améliore mes sorts. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. Ils sont balèzes. Les sorts sont puissants. Leurs sorts sont vraiment puissants. Je vais essayer d'utiliser mon marque. Bon, c'est pas comme si ça fait trois fois. Ce qu'on va essayer de faire, on va tout de suite se sauver, se casser. Et eux vont servir de bouclier humain. Yes! J'ai trouvé la solution. Attends, je soigne. C'est l'équivalent de Sweet Game en fait, minerai. Wow. Alors, mon petit. Wow! Ah, j'ai pas m'en sortir. Ah putain, j'aurais dû. Que je pense que je vais faire déjà, j'ai utilisé tout mon pouvoir de destruction.
Explosion alimentaire qui inflige 15 points de dégâts de feu. Ouais, c'est barré déjà. C'était la bonne stratégie. Voilà. Voilà, une gargouille sur les deux. Bah, il faut que j'utilise ma magie. J'en ai plus. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Potion, potion. Servir de bouclier humain, mon Akronak. Voilà. Non. La gorque. La petite sauvegarde rapide qui va bien. Et. Il balèze le serveur. Il est balèze. Bon, là, j'ai bien fait de sauvegarder. On va faire. Tant que ça. Et tant que ça. On va prendre le bâton de flamme. Non, on va utiliser l'arc. Avec les flèches de feu. Non, non. Il a l'air balèze ce vampire là. J'ai pas quelque chose qui peut régénérer un peu ma magie là. Ça peut me servir. On va essayer comme ça, en étant un peu cheaté. Quoi? Que je réfléchisse. Que je réfléchisse. Avec du feu? Oh putain, mais c'est pas possible! Réfléchissons intelligemment. J'ai un fousereau. Trois perceptions, déferlement. On va essayer avec le déferlement, voir. Je vais me faire tuer combien de fois par lui là? Faut que je réfléchisse. Pas trop. Parce qu'il semblerait que. Ça a pas l'air de lui plaire.
pas possible. Il y a bien une manière de le battre. Bâche d'armes. Un petit arc mortel. Oh. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais mourir combien de fois à cause de lui? Réfléchissons. J'ai quoi là sur moi? Ouais, bâton de femme. Ça, je pourrais dire que tu reçois Batavine demain avant 22h. Ah, oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Crever encore l'autre là. Putain. Oui, bah j'ai compris. J'ai mal. Non, mais c'est pas possible, Réfléchis. Tu pars en toute discrétion. Comme ça. Non, je suis pas là. Je suis pas là, je suis parti au cinéma. J'ai pas le pouvoir encore. Là, je vais devoir fuir. Parce que là, c'est beaucoup trop. Mais l'autre, il a dû s'enfuir. C'est pas possible. Putain, ça m'a fait la sauvegarde rapide là. Non mais attends, il y a un souci là. Wood. J'y arrive à m'en sortir. Oh non, c'est bon, fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Putain, j'ai pas de magie. Il est où là? Il arrive vers moi. Mais non. J'ai rien payé du tout, mon grand. Je l'entends, hein, qui me suit. Je vais pas m'en sortir. Que j'arrive à m'en sortir, mais l'autre me colle au basque. Vous aviez sur vos carreaux rien d'intéressant qui me permettrait de m'en sortir d'ici. Qu'est-ce que t'as, toi? Épée de fer, accroché, pointe sur un pouce, fer de vampire, protection, voilà. Ah putain, je suis trop lourd. Qu'est-ce que ça sert? Ça me sert à rien, voilà. Côte, marinol, rien. Oh le massacre! Il n'y en avait pas un qui avait une arme de destruction massive sur lui ou quelque chose. H1, à plat. Ça, ce sera pour l'épée d'Arcon, ça sera plus tard. Je vais attendre une petite heure. Voilà. Même pas le temps de finir sa pomme. Voilà. Ah non, non. Il faut que je tue l'autre, hein, mais.
Et où l'autre? Ah, il est là-haut. Ah non, c'est un copain. Il a dû s'enfuir. Il doit être bien quelque part. Hein. Il est là. Il est là. Voyons voir ce que fait le nouveau sort. Il fait plus de dégâts. Me fait plus de dégâts. Bon, alors, par stratégie. Ah, je suis passé en mode feu. On a peut-être une chance. C'est une condition. Simple condition. Voilà. Allez. Ça sent la merde. Puissance vampire. Il est trop puissant ce vampire. Moins que sinon je... J'ai une flèche de feu. Un arc. Toi, serre-moi de bouclier. Putain, je vais devenir vampire. Ouais, sauf que lui, il a regain sa life. Ah non. J'ai l'impression de l'affronter Palpatine là. Allez, amène-toi. Allez! On parle de la séance qui vient de te mettre ou pas? Ah putain. Il est pire que les shaders dans le nouveau Call of. Hein. Il lâche rien. Hein. Ça, enfin, je sais pas, c'est magie au aube. Moi, je suffis vraiment. Il faut que je retourne dans mon coin. Maintenant, c'est le moment. Ah non! Ah, quand même que j'ai fait de la sauvegarde rapide. Je sais pas qui c'est qui a déjà perdu. Et ça sent le sapin pour moi là. Réfléchissons. Je finirai par vous. Ouais, on va faire ça. Faudrait que j'améliore mon arc. Comment ça y est? C'est bon! C'est vous qui nous invitez à dîner, c'est nous qui allons payer, bien sûr! Un peu radin, mon gars! On va faire la discrétion, hein!
Allez. Viens me taper. Mais oui. Petit enculé. Ah putain. Là, s'il me suit, je suis mort. Et il me suit. Il me suit donc. Putain, il va falloir que je m'enfuis. Non. Non. Mais non. Oh, l'artefact du monde Orglaive. Non, il m'a pas vu. Moi, c'est alors un piège. Il était parfait celui-là. Allez. C'est le moment de l'achever. J'aurais peut-être pas d'autre occasion. Ah, ici. Putain, il s'est mis en mode invisible. On doit culer là. Alors, ça c'est pour toutes les fois où tu m'as tué. Ça c'est parce que je t'aime pas. Alors. Et ça c'est parce que si jamais 203. Voilà. Putain. Et t'es quoi ce vampire? Putain, 15 flèches de feu, il a fallu que je suis. Eh. Voilà. Tous les vampires sont morts et d'après ce testament, le manoir m'appartient. Très bien. Mais je vous suis redevable. Tenez, prenez ceci. Nous sommes quittes à présent. Eh mais attends, tu viens de me donner 750 balles, c'est génial. Super. Bon, par contre, faudra que je m'occupe des cadavres, mais ça c'est un autre problème. M'occupe des cadavres, alors. Taper à des transbahutés là-haut. Oh non. Paraîtront bien à un moment ou à un autre. Alors. Mais. Porte ici. Ah non, elles sont là. Oh. Il dirait que ce mec vient de te tuer. Bah, c'est. Putain, mais. Ah, c'est super. Là, je viens de récupérer le matos. Là, j'ai l'impression d'avoir fait une com monstre là. Potion de résidence au feu, mais c'est intéressant ça. C'est un enchanteur de bâton. Voir un peu. Vert, bâton d'étincelle. Bâton d'argent d'étincelle. Bonite. Putain, mais il y a trop d'armes que je peux faire. Bâton de bois d'étincelle. Faire plein. Bâton de verre de flamme, bâton de rugre d'étincelle. Ah, je viens de trouver quelque chose d'intéressant là-dedans. Il y a quoi? Il y a rien. Et moi qui voulais acheter une maison. Bah non, il fallait juste que je tue un vampire, puis voilà. Voilà, donc c'est une carte, coffre-fort, encrier. Vas-y. Hérésie! Ouh. Chambre vampire, gantelet vampire. Mais pour ça, faudrait que je devienne un vampire. Mais bon, on vit. Hop. D'ailleurs, il va falloir que je me soigne parce que là, non, je veux rien. Alors. C'est du matos, hein, quand même. Hein. Ébonite brute, cœur de pierre, guérison nécromantique, de sort, coffre, urne, la charge du guerrier.
Le bol. Est-il tombé? Il est tombé! De vampire, propage. Bon bah je suis propriétaire d'un manoir maintenant. Ça mérite de se poser comme un pimp. Je vais rester assis là pendant une heure à garder le feu. Voilà. Alors. Un manoir. Ah, Zorgi, toujours le mot pour rire. Oh putain. Grenat. De l'or. Un chausson de pomme. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Et là, je commence à en avoir marre d'avoir trop d'armes. Non. Bien, salut Fab. Tu viens de passer après la bataille où je suis mort un nombre inconsidérable de fois. J'ai récupéré le manoir d'un vampire. On m'invite à dîner. Et j'ai récupéré le manoir d'un vampire. On va chercher. Voilà. Lowe's. Tac. Bon bah je fais un peu toutes les pièces. Oh non, je viens juste d'y quitter les cours pour ça. Bah tu regarderas la rediff, hein. Écoute, hein. En plus, oh le bar. Oh le bar. Bah tu peux y retourner, écoute. Hein. Allez. Il est temps que maintenant le Pierrot Barbare fasse une carrière de boulanger. Nourriture, bouche à la crème, chaussons aux pommes et tout. Putain, mais elle est méga stylée cette baraque. Elle m'a coûté à 5 morts. Un peu de fromage, j'adore le fromage. Hop, Echo. Je préfère pas savoir ce qu'il prépare à manger ici. Oui, t'adores le fromage. T'as qu'à dire que ça se voit. Bon, je l'assume, ça se voit. Ok. Par contre, va falloir que je ramène une gonzesse et que je lui dis de ranger tout ce bordel. Parce que, entre les gobelets, les vitres, on a ici. Comme pièce ici. Ouais, une autre petit salon indépendant. Ah, une chambre d'enfant! Pourquoi une gonzesse? Bah. Attends, je vais t'expliquer un peu. Ah putain, mais j'ai même une forge et tout, j'ai même une prison s'il y a quelqu'un qui me fait chier. D'ailleurs, chez moi, il faudrait que j'envisage de... Non. Voilà. C'est pas un brin sexiste, c'est juste que là, en fait, j'ai un peu de bordel à ranger. D'ailleurs, il y a un bar de là qui... Je vais y ranger là. Et c'est pas un vrai sexy, c'est que vu le bordel, tiens, j'aurais pu m'occuper d'elle, mais elle est morte. Bon, bah voilà quoi. Là, faut ranger. Après avoir récupéré ce manoir, il faut ranger. C'est quand même dingue. Bon. La mort, ça fait pas bien le ménage. Bah non! Non, regarde, c'est... Là, tu crois qu'il fait bien le ménage? Tiens! Tiens! Bon, allez, on va le laisser tranquille. D'ailleurs, on va le mettre dans le coin, là. Je vais demander à ce qu'on le garde. On va
pas l'empailler, on va le mettre en, en trophée là-haut, tiens. Voilà. Bienvenue à tous. Alors, est-ce qu'on avait là? On peut continuer, il n'a pas dit d'arrêter. En même temps, le jour où il me dira d'arrêter, je pense que... Ouh, malachite raffinée, ça par contre... C'est pour du business, ça c'est bien. La meule. J'attends. Ça, ça m'aurait pu... Ça aurait pu m'être utile. Putain. Ah. Hop de revers d'acier. Alors, à mon avis, il reste en mode erreur. Parce que c'est... Normalement, j'avais activé le mode survie au départ. Et c'était vraiment trop dur. Poids lourd. Poids lourd, non. Par contre, je pense que ce que je vais faire, on va améliorer un peu l'arme à deux mains. Et est-ce que nordique Nordique, ça donne quoi ça, si jamais? Pareil dans les chevaliers du Zodiac. En mettre. Voilà, la couronne de magie. On se croirait Aragorn. Peau d'acier, de différents genres. Ça, ça va m'être utile. Ça, c'est bien. Marmite de fondaison. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, intéressant ça. Très intéressant, c'est très bien ça. Très bien. La défense de mammouth, bah tiens, Isolda. Je vais aller chercher Isolda. Je vais lui dire, j'ai un manoir, maintenant, il faut bien le ranger. Dernier fourreau. On va le laisser là. De loup, qu'est-ce qu'il y a dans la prison? Prisonnier ou quoi? Bah, elle va me servir, hein, cette petite maison va me servir. Bah, une arme super cheatée, admettons. Donc là, on aura l'espace cuisine, là, ce sera mon espace de travail avec le rangement du bordel et tout. J'ai des cercueils pour dormir. Ok, l'armoire, le coffre, là, ça sera pour le rangement et tout le bordel. J'ai la chambre des gosses aussi, qui est pas loin. Pas d'autre chose, non. Oh, franchement, pas mal. Et j'aurai tout le matos. Ça servira pour débloquer mes armes, les boucliers, c'est quoi, griffes. Hey. Un grec d'or. Ah, c'est stylé. C'est stylé. Alors, bon. Hop, un gobelet d'argent. Ah, je résiste pas. Je résiste pas. On va reprendre la tomate. Alors. Ah, j'ai perdu la tomate. Est-ce que je peux te porter plus haut? Réfléchissons. Ah, la physique du jeu, elle est pas encore là. Voilà. On va quitter les téléphone. Allez. Quoi? Voilà. Rien. On a deux gargouilles, deux vampires. Voilà. Je pourrais planter des plantes ici, je pourrais me mettre au jardinage, je pourrais même couper du bois si je veux. Compte bien. Alors, qu'est-ce que ça fait comme pièce, ça? Moi, ouais, c'est pas mal. C'est pas trop éclairé, quoi. C'est en haut d'une super haute montagne, au milieu du jeu.
Pas si mal. Pas si mal. Je suis où là? Ah, je suis pile poil quasiment au milieu de la carte. Hein. Ça peut être utile. Par contre, j'ai vu un truc, un détail. Est important. J'ai vu une arme. Alors, arme Skyrim. Allez. Ceci. Que je reprenne mes révisions sur ça. Ça, c'est l'arme, d'accord. Ils ont rajouté quand même pas mal de choses. Il y a l'arc des ombres, l'arche arcanique, armement rouge gardénique, armure du seigneur, armure athénale native, et bâton. De Shogorath, du Nordic, broyeur et garde spectral. La cause. Chevaux sauvages, chien d'Onyx. La mer, coupe d'amertume. J'avais vu une arme qui était pas mal. J'arrive plus à la retrouver. Manoir de sang glacial, un lieu, une quête et une maison de joueurs. Le marteau de Stendhal, donc ça je pourrais le récupérer au musée de Markat. D'ailleurs je pourrais faire ça. Et mort vivant. Ça, My Watch, non. Ça, c'est une maison de mer. Orglaive, c'est ça. Africain de la puissance du prince d'Avalon. Après, l'ancien bandeau au sanctuaire de Boétia. Le sanctuaire de Boétia. C'est ça qu'il me faut. Et pour aller au sanctuaire de Boétia. Pour aller au sanctuaire de Boétia, il faut que je trouve un pigeon. Ah, je sais exactement où trouver un pigeon. Qui me servira. Voilà. Est-ce que vous m'en voulez encore dans ce monde ? Oh, rien, rien, ma grand-mère. Je suis passé par là. Vous vous distinguez vraiment dans ce monde d'imbéciles. Tenez, prenez ceci en gage de mon amitié. Chapeau. Attends. Le mec, il m'a offert un chapeau gratuit. Eh ben, il m'a filé un chapeau. Bon, on va lui dire merci. Toi. Ce n'est pas vous que j'ai vu parler. Il dit, il pense que ces balades. Toi, tu vas me servir. Une femme aussi belle et intelligente ne tomberait pas dans un panneau pareil. Enfin, j'espère. C'est bien le moment. Pourriez-vous lui apporter cette lettre et lui dire que oui, oui, je vais lui donner. Je vais vous montrer ce que je sais. Tiens. D'ailleurs, toi, tu vas me servir. Hop. Ah, 0%, là, c'est mort. Je vais aller donner la fausse lettre à l'autre. Et comme ça, lui devient un follower. Et vu que c'est un follower... Peut-être pourriez-vous... Ne le prenez pas mal, mais... Vous avez l'air encore un poème. Quoi ? Dites à Sven qu'il a déjà une mère. Je ne veux plus le voir.
Ouais, je m'en fous. Tu fais là, toi. Vous voulez dire quelque chose ? Ouais. Je vais te voler. Ah, je peux pas te voler. T'as de la chance, je peux pas te voler. Ouh ! Ouh ! Pourquoi ils se font mal ? Bah, je sais pas, hein. Il y a un problème, hein. Je pense qu'il y a un problème avec eux. Bon. L'autre Findal, là, il est où ? Il va me servir de bouc émissaire. Il est où l'autre ? Oh ! Donc il y a des ennemis à proximité, donc lui je peux le tuer. Enfin, je vais pouvoir le voler quand même. Voilà. Bougie, crochet, diamant, gobelet. L'autre il a volé des trucs à 5$ seulement. C'est ridicule. Bon. Il est où? Il est où Findal? On va attendre un peu qu'il se lève. Il a eu au boulot. Il prenne son café. Voilà. Ok. Ok, ok. Alors. Il était massacré, l'autre. On est pas mal, on est pas mal. Bon, par contre, l'autre, il va se lever parce que... Non, je vais aller le secouer dans son lit, là. Il est frappé par le callback. Je vais lui dire, bon, écoute, on a une aventure épique qui nous attend. Bon, voilà. Que tu veux qu'il aille à la taverne. Il est parti à la taverne se pinter la gueule. Auberge de géant endormi. Ah, je pourrais faire la quête de Delphine aussi, mais je verrai ça plus tard. Non, il est pas là. Il est parti où, ce con? Oh, un gosse. Non. non. On va pas commencer à tuer les gosses. Et dommage, c'est que dans Skyrim, tu ne peux pas tuer les gosses. Tu ne peux pas tuer les gosses. Bon, à part si t'installes la mode. Bon. Moi, j'aurais bien aimé, c'était décimer tout l'orphelinat quand j'ai commencé la quête des confréries noires. Ça aurait peut-être été un peu trop. Dans ce village, ils sont tous partis se coucher ou se peinter la gueule à la taverne. Avec les gosses qui sortent. Voilà. Chien, d'accord. Il est où l'espèce de... Ah putain, je vais le chercher pendant 10 ans. Bien. Oui, je suis un peu malade. Pourquoi? Parce que l'autre abruti, là. Bah oui! Il m'a changé à moitié en vampire. Alors je vais être gentil avec vous. Mais m'énervez pas. Viens là, toi. Viens là. Gentil. Viens, tu veux la voir? Tu veux la voir, ma gentillesse? Tu veux la voir, ma gentillesse? Hein? Tu veux la voir, ma gentillesse? Sale gamin! T'as de la chance que je peux pas te tuer. Eh, il a quand même une dague, hein. Mais y'a tout le putain de village qui m'attaque. Vous allez tous crever. Je suis désolé, mais j'ai eu un accès de folie avec ce gosse à qui me parlait mal. Ouais, bon chien.
D'ailleurs, on va dire à l'autre là. L'autre face de tanche là. Ah là, c'est beau, Findal. Hey, il est où, Findal? Findal, Findal, Findal. Eh ben, il est là! Il est là, mon futur pigeon! Prévenez-moi quand vous aurez donné. J'apprécie votre aide. Tenez, tiens, on dirait que quelqu'un me suit déjà. Comment ça y est? Je vois pas qui m'accompagne déjà. Vous vous sentez malade? Oh non. Ça fait penser qu'il faut vraiment, par contre, que... doivent être coincés quelque part, je sais pas où. Mercurio. Rivebois est relatif. On dirait que quelqu'un vous accompagne déjà. Et y a personne, regarde, y a personne qui m'accompagne, bordel de merde. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir à un détail. C'est pas l'autre con là. Aidez-moi, je vous en prie. Je vais perdre mon emploi à la pêcherie de Fayez. J'ai vraiment besoin de votre aide. Je risque de perdre mon travail à la pêcherie. Ouais. Le propriétaire, Bolly, a dit, je ne veux... Si vous me donniez une potion de soin, je pourrais... Je n'oublierai jamais. Tenez, c'est tout ce que je peux vous offrir pour vous remercier. Ok. Vous vous sentez malade? Vous tombez bien. Votre commande spéciale en provenance de l'enclume vient d'être livrée par la dernière caravane Khajiit. Ah, c'est vous. Vous venez encore me soutirer de l'or? Non, non. Vous ne pouvez pas plutôt m'embêter à mon étal d'armure au marché. Écoutez, je ne suis pas... C'est pour un plus vite je quitterai bord de ciel, mieux ce sera. C'est le nom qu'on... Si j'étais vous, j'éviterais d'y mettre les pieds. Revenez quand vous aurez plus d'or. Bah, je vais m'arrêter là juste quelques minutes par rapport à ça. Faut que je fasse 2-3 petites choses. Je vais arrêter le stream là juste un petit peu. Je vais continuer 2-3 trucs, faire quelques changements. Retrouver Mercurio, parce qu'à un moment ou un autre, ça va me plaire. Ouais, je vais arrêter là. Bon, allez, gros bisous à tous et à la prochaine. Allez.